Colmar, dans la région de l'Alsace, dans l'est de la France, a été la première escale du gouverneur du district d'Abidjan. Begré Mambé est allé à la rencontre du conseil général du Haut-Rhin. Objectif, obtenir les moyens techniques nécessaires et l'expertise occidentale pour améliorer les prestations du district d'Abidjan. Au programme de l'étape du Colmar, une séance de travail avec pour finalité des engagements pris dans le cadre d'une coopération. Nous avons écouté monsieur le gouverneur qui nous a expliqué quels étaient les sujets, quels étaient les thèmes qu'il souhaitait avoir avec nous. Tout ce qui concourt donc protection contre les catastrophes, contre les incendies, les inondations, donc c'est des véhicules de sapeurs-pompiers ou des ambulances. Après Colmar, le gouverneur du district d'Abidjan s'est rendu dans le département des Vosges. Dans la ville d'Épinal, Begré Mambé a échangé avec M. Christian Poncelet, président du conseil général des Vosges, qui milite pour la redynamisation des relations d'affaires entre la Côte d'Ivoire et la France. Il y a donc entre la Côte d'Ivoire et la France des relations qui sont anciennes. Nous partageons certaines cultures, tu vois ? Et pourquoi ne pas essayer de créer des sociétés franco-ivoiriennes, des sociétés ivoiriennes françaises, n'est-ce pas, pour qu'ensemble, nous tirions dans le même sens, pour, par l'innovation, conquérir des marchés, n'est-ce pas, satisfaire des besoins qui s'expriment ici et là, j'allais dire, sous la formule classique gagnant-gagnant. Tout à fait. Il y a quelque chose entre l'ivoirien et le français que je ne saurais déterminer, mais qui me conduit à dire que tout naturellement, nous allons l'un vers l'autre, nous coopérons, nous agissons, n'est-ce pas, pour bien sûr apporter un plus dans l'amélioration des conditions de vie des populations, bien sûr ivoiriennes et françaises, et aux autres, pourquoi pas. Ces différentes rencontres ont été jugées enrichissantes par le gouverneur du district d'Abidjan. Il se dit prêt à relever un certain nombre de défis. La Côte d'Ivoire peut devenir pays émergent même avant 2020. Dans les 4-5 mois à venir, vous verrez de grands projets à Abidjan qui vont vous donner la preuve que cette politique du président Alassane Ouattara est une politique réaliste, active, beaucoup d'action, très peu de verbes. Cette mission du district d'Abidjan en France sera marquée par une rencontre avec des opérateurs économiques français prévue à Paris.